karaté. Ouais, moi je suis 7 ans à taekwondo. et j'avais un club karaté et j'avais des élèves qui criaient. C'est des choses qui ont toujours existé à voir. Et j'ai pris mon autonomie assez tôt. Je suis entré dans la structure tente, tout simplement parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une pénurie de salle en Côte d'Ivoire. Comme vous voyez ça, vous pouvez réfléchir comment résoudre ce problème des salles à Montréal. Quand on démarre, on entreprend, on ne pense pas forcément à être financé ou entreprendre. On commence avec rien. Ben, on commence avec des idées, on met en place des idées, après on va chercher des clients. Voilà. Et croyez-moi, c'est quand vous avez pignon sur rue que les banques arrivent. Les banques ne viennent pas parce que voilà, vous avez fait un beau sujet avec un business plan, une idée que vous avez pris. Non. Quand je décide de me lancer, j'avais quasiment aucune ressource. C'est les économies personnelles qui m'ont permis dans un premier temps de m'équiper à l'ordinateur, de m'équiper à PC et l'imprimante tout simplement. Après, c'est à vous d'avoir de l'imagination. Moi qui vous parle, j'ai vendu des CD, j'ai distribué de la musique, j'ai distribué des CD audio comme vidéo. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ma boîte en attendant d'avoir des vrais clients. D'ailleurs, il faut que vous sachiez, moi, toutes mes entreprises, je les ai montées en pleine crise. En pleine crise. Il faut démarrer en 99, coup d'État. Oui, 99. 2002, 2001, le coup d'État. Voilà, mais c'est à ce moment-là que je me suis fait. C'est une question de conviction.